Très très bien, que vous avez passé de bonnes vacances et de bonnes fêtes. Je vous souhaite également une très très bonne année 2021. Alors aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale parce que c'est mon anniversaire et c'est moi qui vais vous offrir un cadeau, ce joli pull, enfin le tuto bien sûr. Très facile à réaliser, même les débutantes vont pouvoir le faire. C'est des mailles serrées, des points élastiques et c'est tout. Voilà. Alors la particularité c'est la couleur, enfin c'est vraiment le fil en lui-même qui a des paillettes, qui a des couleurs un peu vives. Voilà, les manches aussi sont très sympas. J'ai mis des franges sur le bas du pull là, je sais pas si vous arrivez à voir, le cadrage est un peu serré mais... il y a des franges, vous verrez sûrement sur la photo. Voilà, vous n'êtes pas obligé de mettre des franges. Hein. Si vous voulez suivre mon pas à pas, c'est parti. Alors, on va utiliser un fil vraiment très 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 beau, par la couleur, par les matières. Regardez comme c'est joli. Bien sûr, il y a d'autres coloris, je pense. Bon, sur le site, moi j'ai craqué sur celui-ci parce que il y a des petites couleurs pêchues. Le fil, alors ce qui est sympa, c'est que il y a des différentes épaisseurs, comme vous pouvez voir, et il y a différentes matières. Je vais vous parler un peu de ce fil qui s'appelle Maurice. C'est pour ça que le pull, je vais l'appeler Maurice. Alors, il est composé de 30% de laine, 60% d'acrylique, 5% de polyester et 5% de polyamide. Chaque pelote pèse 100 grammes et mesure 170 mètres. Accrocheté avec un crochet entre 4 et 6 mm. Et moi, je vais utiliser un crochet d'une taille de 6 mm. On va avoir besoin d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à tricot et de deux marqueurs de rang. Vous êtes nombreuses à me demander à chaque fois combien de pelotes j'ai utilisé. Sachez que vous allez pouvoir trouver tout le matériel, les liens et la quantité dans le descriptif de la vidéo. Voilà, je vous ai fait un petit schéma qui est très simple. C'est un pull très basique, vraiment. On va le travailler en mailles serrées. On va faire un devant et un derrière. Et on fera les manches après. Alors, pour le devant, les mesures que j'ai fait moi, pour une taille L, on va dire, c'est de... Alors, le devant et le derrière sont à peu près pareils, sauf l'encolure ici. Pour le devant, elle est plus haute. Vous voyez, pour l'encolure de devant, j'ai fait ici, on va faire 5 rangées de plus de chaque côté. Alors que le dos, on va faire que 4 rangées pour l'encolure au niveau du dos. Ce qui veut dire que le devant va être un petit peu plus ouvert que le derrière. Du coup, on va faire ici 80 rangées. Et ici, 81 rangées pour au total avoir le même nombre de rangées qui est 85 au total de hauteur. Okay? 4 pour le derrière, 5 pour le devant, 81 pour le corps sans l'encolure et 80 ici pour le devant. Mon pull il mesure 59 cm sans l'encolure donc il doit être plus long. L'encolure, elle mesure ici 23 cm et au niveau des épaules, ici, c'est 16 cm de chaque côté.
Vous allez pouvoir adapter ce pull à la taille que vous souhaitez car c'est très très basique, il n'y a pas de multiples, il n'y a pas non plus de point très original puisqu'on va travailler la maille serrée. Puisque justement avec ce fil, je trouve que ce qui est vraiment joli, c'est un point serré. Voilà. C'est parti! Alors j'ai oublié de vous dire, bien sûr, on commence à crocheter du bas vers le haut. On va partir sur une base chaînette de 70 mailles en l'air, plus une. Comme ça, on aura un total de. On va travailler sur un total de 70 mailles serrées en rangée, en aller-retour, jusqu'en haut. Et une fois qu'on sera ici, je vais vous montrer comment on fait cette partie-là. Donc, on commence. Je vais faire 71 mailles en l'air. Une, deux. 3, 4. Je vous conseille de pas trop crocheter serré. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et voilà, 71 mailles en l'air. Pour calculer votre taille, moi je vous conseille de faire votre chaînette. Et une fois que vous avez fait votre chaînette, vous allez l'essayer sur le devant de votre torse, soit la poitrine, soit le ventre, ça dépend. La partie la plus grande, voilà, la plus large, et vous prenez à partir de cette mesure-là. Alors, on va commencer et on va faire que des mailles serrées. C'est extrêmement facile. On saute la première maille. En l'air ici à partir du crochet et donc dans la deuxième on va faire notre première maille serrée et on va faire une maille serrée dans chaque maille en l'air jusqu'à revenir au début de notre chaînette. Voyez, c'est très facile, vraiment. C'est un pull que vous pouvez faire avec un autre point, avec une demi-bride ou une bride. Mais bon, j'ai essayé, hein. Je trouve que la maille serrée rend le fil beaucoup plus beau. Voilà les amis, on va faire ça jusqu'à la fin de la rangée. On va se retrouver au début. Et voilà, j'ai un total de 70 mailles serrées. Comme je vous disais tout à l'heure, on commence par 71 mailles en l'air et on obtient un total de 70 mailles serrées, ce qui est normal car on saute toujours la première maille en l'air quand on arrive ici au bout, car elle nous aide à monter la hauteur de la rangée. Maintenant, on va répéter toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on va répéter des rangées de mailles serrées. Il n'y a aucun secret. Pardon, il n'y a aucun secret. On monte une maille en l'air à chaque fois et on tourne l'ouvrage. Dans exactement la même maille, ici, on fait notre première maille serrée. Si vous êtes débutant, je vous conseille de compter les mailles serrées. Pour en avoir à chaque fois le nombre, moi dans mon cas 70, vous à la maison le nombre de mailles en l'air qu'il vous faudra pour faire la moitié de votre poitrine. Voyez, je fais une maille serrée dans chaque maille serrée. Et là, vous pouvez profiter de la beauté de ce fil, des changements de couleur, de matière. C'est vraiment un. J'adore. Voilà. Alors, on va se retrouver, les amis, à la fin
de la rangée. Je vous montre simplement comment on termine et comment on va démarrer la suivante. Sachant que là, je suis en train de faire le devant du pull, donc je vais faire 80 rangées en tout. Celle-ci, c'est ma deuxième et on va se retrouver à la fin de la rangée. 69 et 70, on n'oublie pas la dernière. Ok, et pour reprendre, on fait une maille en l'air, on tourne, une maille serrée dans la même maille et c'est reparti. D'accord les amis? On va faire ça jusqu'à obtenir la hauteur. Si vous voulez quelque chose de plus long, vous faites vraiment le nombre de rangées que vous souhaitez, bien sûr. On va se retrouver lorsqu'on aura bien avancé. Là, ici, je vais faire le devant. Donc, pour moi, je vais faire 80 rangées, comme je vous disais tout à l'heure. On se voit à ce moment-là. Voilà, les amis, le résultat. Ok. Donc, j'ai fait, donc là, le devant. 80 rangées. Ici, j'ai positionné mon premier marqueur. J'ai compté 20 mailles serrées d'un côté et 20 mailles serrées de l'autre côté. On va faire les 5 rangées de plus pour chaque épaule. D'accord? Je vais vous montrer comment on fait pour le devant. Et pour le derrière, vous ferez la même chose, sauf que vous ferez 81, en fait, une rangée de plus pour toute cette partie-là. Et en haut, vous en ferez que 4. Là, on va en faire 5. Donc, tout simplement, on reprend une maille en l'air et on tourne. Et on va faire 20 mailles serrées jusqu'à arriver ici. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, 19, je retire le marqueur et 20. Une maille en l'air et on tourne. Hop. Donc on a fait notre première rangée et on va faire la deuxième. Une maille serrée dans la même maille et on continue jusqu'à la fin de la rangée. Et voilà, on a fait la deuxième rangée et on va faire 3 de plus pour en faire 5. On monte une maille en l'air, on tourne et on s'arrête, bien sûr, ici. C'est parti pour la troisième rangée. Et voilà la troisième rangée et c'est parti pour la quatrième. Et ensuite, on fera une cinquième. Ok les amis, on va se retrouver là du coup à la fin de la cinquième rangée. Vous avez compris comment ça fonctionne. Et voilà, cinq rangées. Ici, on va laisser un petit morceau de fil pour pouvoir coudre tout à l'heure les deux parties du haut ensemble. Voilà, un petit bout de fil, pas trop. Et une fois que vous avez coupé, vous allez passer le fil à travers. On va faire la même chose maintenant de l'autre côté ici. Pour démarrer, on prend le fil et on fait une boucle. On va tourner puisqu'on crochète toujours de droite à gauche. On va rentrer dans la première maille serrée ici et on passe la boucle à travers la maille serrée. On monte
une maille en l'air, toujours. On va venir prendre, attraper le petit fil qu'on va venir cacher en même temps que l'on crochette. On va faire notre première maille serrée dans la même maille. Et vous voyez, on tient bien le petit fil contre les mailles serrées et on passe dans la maille serrée suivante. On contourne le fil que l'on cache. Deux. Enfin, on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à arriver au marqueur. Nous devrions avoir le même total que pour la première épaule. Moi, dans mon cas, j'en ai 20. Voilà, une fois que le fil est caché, n'hésitez pas à tirer dessus pour éviter les petits bouchons de fil et vous coupez à ras le fil que vous étiez en train de cacher. On va faire la même chose maintenant, les amis, de la même façon, 5 rangées pour la deuxième épaule. On se retrouve à la fin de la cinquième rangée. Et ici, on va faire la même chose. On va laisser un assez long morceau de fil. Pour la couture, on coupe et on passe à travers. On va faire maintenant le dos. On va faire exactement le même principe. 71 mailles en l'air de départ, ce qui nous fait 70 mailles serrées. Et on va monter ici, par contre, 81 rangées et non 80. Et on va monter pour les épaules 4 rangées et non 5. Voilà le dos. Ok. Alors, ce qui est bien avec ce maillage, c'est qu'il n'y a pas de recto ni de verso. Donc, c'est vraiment pas prise de tête. Et là, j'ai le devant. Vous voyez. Hop. Donc, on va joindre avec une aiguille à tricot. Je vais vous montrer comment on va faire la couture. Une épaule. Et la deuxième épaule ici. Hop. Donc vous voyez que le devant est un peu plus ouvert que le derrière. Pas énormément, mais un petit peu quand même. Bah, d'une rangée. Pour la couture. Avec le fil que vous avez laissé tout à l'heure et une aiguille, on va rentrer dans le brin avant. C'est-à-dire le brin avant. Le brin qui est à l'intérieur de la maille. Vous voyez que la maille, elle est composée de deux brins. On va prendre juste les brins qui sont vers l'intérieur. Ok. Et en fait, à chaque extrémité, j'aime bien passer deux fois pour bien bloquer le fil. Et vous prenez le brin à l'intérieur d'un côté, le brin à l'intérieur de l'autre, et vous passez. C'est aussi simple que ça. Comme ça fait une couture discrète et surtout pas épaisse. Voilà, le brin d'un côté, le brin de l'autre, vous passez. On va faire ça des deux côtés. Et comme vous pouvez voir, c'est vraiment pas épais du tout comme couture et c'est très très discret. Voilà. On va faire ça ici et bien sûr sur l'autre épaule. À la fin, vous n'oubliez pas la dernière maille serrée et ici, alors, hop, vous pouvez passer pareil deux fois pour bien bloquer le fil et vous finissez avec un nœud de couture. Vous passez à l'intérieur de la boucle et vous serrez. Pour cacher les fils, je vais profiter ici pour vous montrer. Vous allez simplement traverser les mailles grâce à l'aiguille. On va perdre le fil. Voilà. Et puis vous coupez à ras une fois qu'il est caché. Avant de faire les manches, on va coudre le pull, donc une fois qu'on a cousu le haut, de manière latérale, donc d'un côté et de l'autre. Vous allez positionner un marqueur donc ici, donc pour l'ouverture de la manche. Là,
Ça dépend de la taille que vous souhaitez. Moi, j'ai compté 20 rangées devant, 20 rangées derrière et j'ai placé le marqueur d'un côté et bien sûr de l'autre côté pareil. Moi, je vous conseille de placer les marqueurs, d'essayer le pull et quand ça vous convient, vous placez le marqueur. C'est aussi simple que ça. On va coudre pareil, les amis, de la même façon, sauf que là, on va coudre de façon de profil, hein, les rangées de profil, c'est un peu pareil. On va essayer toujours de prendre un brin et là par contre, vous allez coudre à l'envers. Si vous avez envie de garder, non, quoique, je vais cacher les coutures. En haut, donc là, on va dire que je suis à l'envers d'un côté et de l'autre. En tout cas, une fois que vous avez cousu, c'est parti. Vous allez retourner le pull pour faire les manches. On se voit de toute façon à ce moment-là. Je vous dis de la même façon que pour le haut. Essayez de prendre juste un brin, même si quand les mailles serrées sont de profil, c'est un petit peu moins évident, mais vous inquiétez pas, vous allez y arriver. C'est pas du tout compliqué. Je vais zoomer pour vous montrer. Voyez, je prends un brin. C'est un petit peu au hasard, puisque comme elles sont de profil, voilà. Gardez la même distance, hein. Et on va faire ça des deux côtés. À tout de suite. Et voilà les amis, une fois qu'on a cousu les parties latérales, on retourne donc l'ouvrage comme ça. La couture reste bien à l'intérieur et on va d'abord s'occuper du col avant de faire les manches. On va faire 4 diminutions dans les 4 angles ici. Donc on prend le fil, on fait une boucle. On se place à l'arrière, c'est mieux. Donc au niveau du dos, on rentre dans une maille serrée. Hop. Et on va faire un tour de maille serrée et en faisant que 4 diminutions. Donc on fait une maille serrée dans la même maille serrée. Une maille serrée dans chaque maille serrée. Et on va préparer en fait le col pour le point élastique. C'est pour ça qu'on va faire un tour de maille serrée d'abord. Voyez, je cache le fil en même temps. Voilà, vous voyez, on arrive dans l'angle ici. Et dans la maille serrée qui est ici, on fait comme si on allait faire une maille serrée qu'on ne termine pas. Et là maintenant, on a en fait les brides, enfin les brides, les rangées de mailles serrées de profil. On va rentrer dans la maille suivante. On a trois boucles sur le crochet, on passe dans les trois boucles en même temps. Voilà, on a fait une diminution. Maintenant, on va faire une maille serrée dans les mailles serrées de profil. Là, on tourne un peu. Et ici,
avec la dernière. On rentre, vous voyez, on fait comme si on allait faire une maille serrée qu'on ne termine pas. Et dans la suivante, ici, au niveau du devant du pull, on rentre, on fait comme si on allait faire une maille serrée qu'on ne termine pas et on passe dans les trois en même temps. Et ensuite, on continue. On va faire ça pour les deux angles suivants et on s'arrêtera à la fin du tour en faisant une maille coulée dans la toute première maille serrée. Mais on se retrouve à ce moment-là. Et voilà, lorsqu'on arrive à la fin ou presque, là il me reste une maille serrée. Voyez, on ferme en faisant une maille coulée dans la toute première maille serrée. Et maintenant, on va faire un petit col en point élastique. On va monter une, deux, trois, quatre, cinq mailles en l'air. On l'a déjà fait sur ma chaîne, ça. On va tourner et on va travailler sur... Attendez. Sur donc les quatre mailles en l'air qui sont ici. Donc on va sauter la maille en l'air, la toute première maille en l'air. Donc dans la deuxième à partir du crochet, on fait une maille serrée. Et on fait une maille serrée dans chaque maille en l'air. Une, deux, trois et quatre. Puis dans la maille serrée qui est ici, tout autour de notre col, on fait une maille coulée. Et puis on tourne un peu. Et là, regardez bien, on a une maille coulée ici. Ah oui, j'ai oublié. il faut faire une maille coulée dans la maille serrée suivante. Voilà. Une maille serrée dans la maille serrée suivante et une maille serrée dans la maille serrée suivante. Ensuite, on tourne et on va sauter les deux mailles coulées que l'on vient de faire. Une, deux. Et dans la maille, la toute première maille serrée, dans le brin arrière de la maille, on fait une maille serrée. Dans le brin arrière de la maille serrée suivante, pareil. Ça fait deux. Dans le brin arrière de la maille serrée suivante, pareil. Trois. Et 4 dans la dernière maille serrée. Ici, on va travailler toujours les brins arrière. On monte une maille en l'air et à nouveau, on tourne. Dans la même maille, cette fois-ci, ici, dans la même maille serrée, en prenant le brin arrière, on fait une maille serrée. Pareil, dans la maille serrée suivante, dans le brin arrière. Dans la maille serrée suivante, brin arrière 3 et dans la dernière ici 4. Faut pas oublier la dernière. Moi, je vous conseille de compter les mailles serrées. Et quand on arrive ici, dans la maille serrée, en prenant les deux brins, on fait une maille coulée dans la maille serrée suivante, ok? Et dans la maille serrée suivante, une maille coulée. On tourne et à nouveau. On saute les deux premières mailles coulées qui sont ici, une et deux. Et dans la première maille serrée, en prenant le brin arrière, on fait notre première maille serrée. Une, deux, trois et quatre. Maille en l'air. On tourne. Dans la même maille serrée, en prenant le brin arrière, une maille serrée. Une maille serrée dans la suivante, toujours en prenant le brin arrière, une maille serrée dans la suivante, et n'oubliez pas la dernière maille serrée. Et à nouveau, une maille coulée dans la maille serrée suivante. Hop, et une maille coulée dans la maille serrée suivante. Et c'est reparti. On va faire ça, les amis, tout le tour. C'est pour ça que, avant de faire ce point, on a fait un tour de maille serrée. Comme ça, on sait bien exactement où on va placer nos mailles coulées en revenant
sur le col, voyez? À tout de suite. Et voilà les amis, une fois qu'on arrive à la fin, vous voyez, on va joindre. Donc, on a fini la quatrième maille serrée ici. Et on rentre dans la maille qui est ici de l'autre côté et on va prendre le fil. Et on traverse. Ensuite, on rentre dans la maille en l'air suivante ici. Et dans le brin de la maille serrée suivante et on fait une maille coulée. Pareil pour la suivante et la suivante. On les joint en faisant une maille coulée. Et pareil pour la dernière. Pour terminer, on fait une maille en l'air pour bloquer le fil. On coupe et on passe le fil à travers. Voilà les amis, maintenant on va faire les manches. Alors pour les manches, j'ai décidé de faire quelque chose d'assez simple, c'est-à-dire que j'ai fait ici en fait 40 tours de mailles serrées et ensuite j'ai changé, j'ai fait un point élastique comme ce que j'ai fait ici autour du cou. Je vais vous montrer. Alors ce qui est sympa en fait, c'est qu'on peut retrousser un peu la manche. Alors, j'aurais dû le faire un peu plus, j'aurais dû la faire un peu plus longue comme ça. Quand je l'aurais retroussée, elle serait arrivée ici. Là, elle arrive à peu près là. Bon, moi, ça me dérange pas parce que j'aime bien me retrousser souvent les manches. Mais voilà. Donc, si vous voulez vraiment faire quelque chose de plus long, faites plus de 40 tours en maille serrée ici, et ensuite vous faites le point élastique. J'adore. Alors, pour faire pour débuter, on va commencer ici, bien sûr, là où on a laissé l'espace. Très important, vous allez noter le nombre de mailles serrées qu'on va faire ici au premier tour. Moi, j'en ai fait 44. J'ai fait 44 mailles serrées au tour, mais bien sûr, ça dépend de mon tour de bras. Alors, on va faire le premier tour ensemble, ensuite. Les autres tours, c'est très répétitif puisque c'est que des tours de mailles serrées. Mais le premier tour, vu qu'on va en fait insérer l'aiguille dans les rangées de mailles serrées de profil, on va faire ça ensemble. Donc, on prend le fil, on fait une boucle et surtout, on va se placer en dessous au niveau de l'aisselle. Au milieu, vous allez piquer vraiment au centre. On fait une maille en l'air, puis une maille, la première maille serrée, on la fait au même endroit. Moi, je vous conseille de placer un marqueur en haut de la première maille serrée. Comme ça, vous savez quand est-ce que vous allez piquer au retour. C'est-à-dire que c'est à cet endroit-là qu'on va faire la maille coulée quand on va fermer en fait le tour. Donc, vous voyez, on a les rangées de profil qu'on va essayer de faire des mailles serrées les unes pas trop loin des autres. Là, donc, j'ai ma première, une, deux. Vous voyez, je cache le fil en même temps. 4, 5, 6. Vous voyez, je pique ici. 7, 8, 9. Et on va faire ça donc tout le tour. 10 et 44. Donc quand on a terminé, on va retirer le marqueur. Et vous voyez en fait ici, on a en haut ici de la maille serrée le marqueur. Et là, de profil, on a une maille en l'air. La maille en l'air qu'on a faite pour débuter le tour. Là, on ne voit pas vraiment la différence, mais au tour suivant, je vais vous montrer, il y a
deux choses à éviter. Donc cette maille ici et la maille que vous allez voir. Enfin, je vais vous montrer au tour suivant, ça va être plus simple. C'est pour ça que c'est bien de mettre un marqueur, surtout quand on est débutant. Donc on ferme en faisant une maille coulée, d'accord? Dans la toute première maille serrée. Vous voyez, en fait, la maille, on va éviter cette boucle, cette maille ici, qui est là, et la maille en l'air. Donc, il faudra éviter de crocheter dans cette maille-là et cette maille ici. Pour monter le tour, on fait toujours une maille en l'air, et dans la même maille serrée, on fait notre première maille serrée. Et là, on pose le marqueur en haut de cette maille. Comme ça, on sait, on ne fait pas d'augmentation parce que sinon, on risquerait d'avoir un autre résultat. Et c'est parti. Un tour de maille serrée. Une maille serrée dans chaque maille serrée. Tout simplement, les amis. Moi, je vous dis, je vais faire 40 tours, mais vous à la maison, si vous avez fait envie de faire des grandes manches ou même faites par rapport à vos goûts, voilà, on va se retrouver à la fin de ce tour. Je vous montrerai comment fermer et comment et continuer les suivants. À tout de suite. Voilà les amis, on arrive à la fin du tour et vous voyez, on fait la dernière maille serrée dans la dernière maille serrée ici. Et comme je vous expliquais tout à l'heure, il faut éviter cette maille et celle-ci. Comptez les mailles serrées. Votre tour de maille serrée. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Hop, on ferme en faisant une maille coulée dans la première maille serrée. Et c'est reparti. Une maille en l'air, une maille serrée dans la même maille. On repositionne le marqueur. Et une maille serrée dans chaque maille serrée. Voilà comment on va faire les tours pour la manche. Alors, laissez bien sûr une longueur. Je vais vous donner les dimensions. Alors, en longueur totale, déjà, alors, elle mesure 45 cm. Ok? La partie maille serrée. Donc les 40 tours de maille serrée, ça correspond à 30 cm. Et la longueur donc du point élastique, 16 cm. Et ici, la largeur, c'est 16 cm. On se retrouve lorsqu'on aura terminé la partie donc de maille serrée, les tours de maille serrée. Je vais vous montrer comment on fait le point élastique. Voilà, maintenant on va faire le point élastique. Et pour ça, moi je suis partie de 21 mailles en l'air. Ici, on va faire le même principe que pour le col, sauf que voilà, on va faire 21 mailles en l'air. Bien sûr, vous faites le nombre de mailles en l'air que vous souhaitez. Une, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 21. Dans la deuxième maille en l'air à partir du crochet, je vais faire ma première maille serrée et je vais revenir sur ma chaînette en faisant une maille serrée dans chaque maille en l'air, ce qui va me faire un total de 20 mailles serrées. 1, 2, 3, 19 et 20. Souvenez-vous, on suit le tour du poignet, comme le tour du col. Dans la maille serrée suivante, on fait une maille coulée. Dans la maille serrée suivante, une maille coulée. Puis on tourne. Exactement comme pour le col, hein. N'oubliez pas, vous sautez les deux premières mailles coulées et dans la première maille serrée, en prenant le brin arrière, vous faites la première maille serrée.
Ensuite, une maille serrée dans chaque maille serrée en prenant que le brin arrière. Et à chaque fois, vous comptez les 20 mailles serrées. Et les amis, on va se retrouver à la fin, puisque cette partie, je vous l'ai déjà montré. C'est exactement la même chose hein, que pour le col, sauf qu'on a monté plus de mailles en l'air. Voilà, on se retrouve à la fin de cette étape. À tout de suite. Voilà, une fois qu'on a terminé, comme pour le col, on va attacher les deux parties ensemble. Donc, on se place. Alors, il faut se placer à ce niveau-là, hein. C'est-à-dire que vous allez revenir sur le poignet et c'est à partir de là qu'on va attacher. Voyez, de la même façon, on va faire des mailles coulées en prenant d'un côté la maille chaînette et un brin de la maille serrée de l'autre côté. Alors les amis, vous pouvez laisser votre pull sans frange, bien sûr. Ça, c'est les goûts. Moi, j'aime beaucoup les franges, donc et je trouve que ce fil est particulièrement joli pour faire des franges. Donc du coup, j'ai décidé de faire des franges. Mais vraiment, ça, c'est les goûts et les couleurs. Alors, si vous voulez bien sûr lui ajouter des franges, vous allez couper 3 fils de 22 cm de longueur à peu près. Vous pouvez les faire plus longues, vous pouvez les faire plus courtes. Vous pliez les 3 fils au milieu, ce qui nous donne 6 brins. Voyez. Et puis à l'aide du crochet, vous allez attraper la dernière. En fait, j'ai décidé de mettre le petit groupe de 3 brins là, une maille sur 2. Vous savez, sur tout le bord d'en bas, c'est nos chaînettes. Donc, on va faire en fait, on va les placer une chaînette sur 2 pour pas que ça fasse trop serré, et puis vous passez, voyez, j'ai oublié de vous dire, de vous montrer, hop, vous passez le crochet, vous ramenez les brins pliés vers vous, vous prenez le crochet, vous passez tous les brins à l'intérieur de la boucle et vous passez les brins et vous serrez. Voilà, je vais faire ça sur tout le contour d'en bas. Voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez aimé, laissez-moi un petit like, un petit commentaire que je me ferai plaisir de lire. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous souhaite à tous une très très belle journée. Prenez soin de vous et aimez-vous. Ciao, ciao!